Ces brebis viennent juste de mettre bas et pour Léon, cela marque le début de la saison. D'ici le mois de décembre, il devra préparer ses agneaux à la vente. Pour cela, il est obligé de se plier à la norme et de les emmener à l'abattoir. À ses débuts, il y a 30 ans, les méthodes étaient bien différentes. Tu es à la ferme, donc la direction départementale des services vétérinaires venait à l'hôtel nous les tamponner et on vendait ça très bien. Aujourd'hui, on va tuer un agneau, il faut l'amener à l'abattoir. L'amener à l'abattoir pour un agneau qui est vendu à rien du tout, une fois payé les charges de l'abattoir, et les boucles, les ceci et cela, il ne vous reste plus rien. Même programme pour cet éleveur de la plaine de Saint-Jean. Pour être aux normes, il devra effectuer une batterie de tests, à savoir une prise de sang annuelle sur 20% de son troupeau pour détecter la maladie de la brucellose, ainsi qu'un vaccin contre la fièvre catarrhale. Saverie Bocognan fabrique et vend également du fromage. Il faut y rajouter donc l'analyse du lait une fois en début et en fin de saison, ainsi qu'un test sur le produit fini à partir de fromage affiné et frais. Et si tout se passe bien, les contrôles s'arrêtent ici. Quest'anno sono un poco ciugadile, mais bon. Après, au niveau des animaux du cheptel, si tout se passe bien, il n'y a pas besoin de complications, de se faire des analyses et des prises de sang et des machins pour rien. Il y a des analyses obligatoires tous les ans qu'on fait, et puis selon les résultats, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Après, c'est toujours pareil, s'il y a des maladies, ben, il faut refaire d'autres analyses plus poussées pour savoir ce que c'est. Concernant la fabrication, il doit se doter d'une fromagerie lavable et lessivable, avec un sas d'entrée, un laboratoire, une pièce d'égouttage ainsi qu'une chambre froide. Autant de normes susceptibles de changer d'une année à l'autre et que le berger devra respecter. Thank you.